Moi, c'est Salozabim, et c'est pour moi un plaisir de commencer avec vous. Jeudi, qui c'est samedi 29 juin, pour nous étudier ensemble études école du sabbat. Et nous avons un nouveau trimestre qui commence, et nous avons tout un autre guide d'études. Donc, on est chaque trimestre, nous avons un guide d'études différent pour que nous soyons capables d'étudier. Et trimestre dernier, nous avons étudié ensemble la grande controverse ou bien le grand conflit. C'était sujet pour le trimestre qui passait, mais nous avons un nouveau trimestre qui commençait depuis jeudi à même, qui c'est samedi 29 juin, pour arriver vendredi qui est 27 septembre. Nous allons passer ensemble 3 mois, côté que nous allons étudier ensemble le livre de Marc. C'est guide d'études, ça, moi, ensemble avec vous, pendant tout le trimestre là, nous allons gagner pour nous capables d'étudier. Jeudi à nous allons introduire ensemble avec vous, et première leçon, dans guide d'études là, mais nous pas introduire tout guide d'études ça, nous pas ouais. Et le son trimestre qui ça va le porter pour nous, qui ça qui va le servir comme orientation ou bien qui côté, et bien guide d'études ça il va avec nous, et qui ça il gagne pour nous comme et bien enseignement. Mais bien avant que nous entrer dans introduction guide d'études là et introduction premier sujet pour trimestre là, on nous prie, bon Dieu. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'on fait pour nous, pour ça encore réaliser dans la vie. Nous. Merci parce que vous déjà maintenant passé des trimestres et bien années. Nous allons aborder un nouveau trimestre. Nous demandons au Dieu, même si vous êtes avec nous pendant le trimestre écoulé, que vous êtes capable toujours être ensemble avec nous et bien nous plus et bien désir pour nous approfondir jour après jour connaissance nous dans la parole. Restez avec nous, comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Amis, moi remercie, félicite, encourage pour ensemble d'efforts qui ont même arrivé fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. M'a rappelé chaque fois fini étudier plaisir pam, c'est encourager. Partager étude ça avec entourage pour faciliter plus monde capable arriver étudier le seul école du sabbat. C'est pourquoi abonner, profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Et nous profiter remercie en plus parce que vous êtes ensemble avec nous pendant le trimestre écoulé et nous sommes certains qui va continuer ensemble avec nous dans l'étude parole bon Dieu et puis toujours 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 encourager l'autre monde pour capable rejoindre et bien plateforme ça et bien ensemble pour nous étudier la parole de Dieu pour nous enrichir connaissance dans la parole bon Dieu pour nous connaître comment pour nous vivre et bien non seulement en harmonie avec monde qui dans entourage nous mais pour nous capable continuer rester dans volonté bon Dieu. Et bien, guide d'étude ça, que nous allons étudier pendant le trimestre là, j'ai que nous t'ai déjà dit, c'est un guide d'étude n'a commencé avec les jeudi à même qui c'est samedi 29 juin. N'a privé avec étude ça jusqu'à 27 septembre, et bien, qui a pris un vendredi. Et thème trimestre c'est le livre de Marc ou bien l'évangile selon Marc. C'est thème guide d'étude là. Guide d'étude ça, il gagne comme contributeur et principal Thomas Chifed, c'est un monde qui contribue pour capable écrire guide d'étude ça. Et bien, qui ça guide d'étude ça li gagne là-dedans? Qui ça va le porter pour nous comme étant et bien enseignement. Depuis nous commençons livre ça, nous va le voir qui est Jésus, qui c'est le Messie, le fils de Dieu. Cependant, dans l'histoire, moun yo gen du mal pour capable comprendre qui est Jésus et qui est lié. À l'exception des démons yo qui était connaît exactement qui est lié parce que dans le livre Marc nous des démons yo reconnaître et bien qui est Jésus et yo soumettre avec parole Jésus mais Jésus va ordonner plutôt systématiquement pour être capable garder information ça silencieuse et pour qui ça autre ça pour Jésus a demandé avec moun guéri yo ou bien moun qui était animé par démons yo qui était possédé par démon pour l'elfine guérir pour être capable de garder silence. Jésus te dit pour être capable de garder secret. Et bien pendant des siècles, étudiant la Bible, tu pensé avec question ça. Et ça tu même un nom dans l'érudition, le secret messianique. Pour qui ça l'évangile a voulu que nous garder silence concernant nature Jésus. Le voyage que nous avons fait dans le livre Marc la Potimès là, nous parlons et ça va venir un bagage qui est clair, non seulement pour avoir un secret dans le livre là, mais pour avoir tout une révélation étonnante. Cela peut à juste titre
être appelé le motif de la révélation ou du secret, et il traverse l'évangile de Marc, bien qu'à la fin, tout le secret soit terminé d'une façon surprenante et remplacé par une révélation puissante de Jésus. Marc, et en parlant de livre Marc, là, il est capable de diviser en deux grandes parties. Ok, livre là capable de diviser en deux grandes parties. Et nous avons le premier chapitre là, sorti le premier chapitre là pour arriver dans le huitième chapitre là, qui va parler des questions ça. Il va mettre l'accent sur qui est Jésus. Qui est Jésus lui-même lié. C'est ça nous allons louer dans le chapitre premier pour arriver dans le chapitre 8 dans le livre Marc là. Nous allons louer qui est Jésus. La réponse visible dans ses enseignements et ses miracles. Mais fois, les dominer le mal, les porter l'espoir avec opprimé, les enseigner des vérités convaincantes qui touchaient le cœur de l'existence humaine. Tout ça montré vivement avec monde qui a lu le livre Marc là que Jésus c'est Messie, c'est lui qui Christ là. Mais les nous arriver dans cependant les nous arriver dans mi-temps livre là. OK, les nous arriver dans mi-temps livre Marc là. Nous pour aller voir un citoyen, un personnage qui pas possédé par démon mais qui connaît qui est Jésus en parlant de Pierre qui va déclarer eh bien tu es le Christ. Nous rappelons Jésus te poser question ça avec disciple pour demander eh bien moun yo même qui ça nous tendez ou dit démon qui est ce dit mien eh bien chaque monde t'a dit mais ça entendez et puis Jésus t'a parlé avec monsieur yo et nous même qui est nous dit mien et de là nous Pierre t'a parlé pour dire eh bien où c'est Christ là. Eh bien, deuxième moitié dans le livre Marc là, c'est-à-dire qui commence dans chapitre 9 pour venir dans le dernier chapitre là qui est chapitre 16, eh bien, il couvrit et il commence dans Marc 8, on capable dire Marc 8 verset 31 jusqu'à la fin, juste dans fin livre là. Il va répondre avec l'autre question, qui côté Jésus va aller. Eh bien, réponse là, eh bien, elle est choquante parce que Jésus il va aller à la croix. Ces façons, on capable dire ces façons qui plus ignominieuse et la plus honteuse de mourir dans le monde romain. Et c'est une destination tellement inattendue pour Messia, côté disciples te penser que Jésus t'a venu, il t'a pas écrasé Romain qui t'a dominé et t'a pas établi Israël comme étant une nation puissante. Mais nous les disciples te confus et Jésus pas arrivé, il pas arrivé comprendre Jésus, disciples te manqué comprendre Jésus. Mais nous au fur et à mesure au fur et à mesure que le livre n'a pas avancé, eh bien, il pose de moins en moins de questions sur ces sujets douloureux, jusqu'à ce qu'il soit finalement réduit au silence face à la vérité importante. Eh bien, disciples te semblaient et à venir plus sombre lorsque Jésus t'a voulu affronter chef religieux qui te complotait pour capable organiser disparition. Disciples te plein d'espoir dans un royaume glorieux, mais ils étaient choqués lorsque Jésus t'a arrêté et un procès et une crucifixion qui t'a pas défile et qui défie leur attente. Mais à travers tout bagage ça yo, Jésus garde un message clair et cohérent concernant côté qu'il va aller là. OK, la mort et résurrection. Le pain et la coupe de la dernière scène représentent colli avec sang lit et il deviendra une rançon pour un peu de monde. Cela ne signifie pas qu'il était allé à la croix dans un calme stoïque. À Gethsemane, il était gagné des difficultés pour accepter décision ça parce qu'il te dit avec et bon Dieu avec il était poussé en cri de désespoir lorsqu'il te secoua mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné. Et ben nous l'évangile Marc là montre nous les ténèbres que Christ t'a affronté qui s'est pris salut nous mais à la croix c'est pas fin voyage là après ça nous Jésus pour le ressusciter. Et il planifie une rencontre avec les disciples en Galilée, comme nous connaissons, et bien nous, l'église chrétienne, l'étape prend naissance. Il s'agit d'une histoire plus remarquable, racontée dans un style laconique, rapide et peu commenté par l'auteur de l'évangile lui-même. Il raconte simplement l'histoire, puis laisse les mots, les actes, les actions parler d'eux-mêmes en ce qui concerne la vie, la mort de Jésus de Nazareth. Et bien, ça, c'est introduction guide d'étude là. Mais qu'on y a là, nous parlons ouais ensemble introduction premier sujet n'a pas gagné pour trimestre là. Nous parlons dans première leçon hein, qui c'est au commencement de l'évangile. Son étude n'a commencé avec jeudi à pour nous vendredi qui est 5 juillet. Thème c'est au commencement de l'évangile. Qu'est-ce que ça veut?
au commencement de l'évangile, c'est thème semaine. Là. Mais thème guide d'étude, là, c'est l'évangile de Marc ou bien l'évangile selon Marc. Texte qui pourrait faciliter la compréhension nous, dans le déroulement étude. Semaine ça, nous gagnons Actes chapitre 13, verset 1 à 5, et puis verset 13 à 15, verset 36 à 39. Marc chapitre 1, verset 1 à 15. Ésaïe 40, verset 3. Daniel chapitre 9, verset 24 à 27. C'est texte ça, avec plusieurs autres encore. N'a bien pour nous dans déroulement étude dans semaine là et texte nous gagne pour nous capable kembe dans tête nous c'est Marc chapitre 1 verset 14 à verset 15 après que Jean y était livré Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu il disait le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle après que Jean y était livré Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc chapitre 1, verset 14 à verset 15, qui se texte nous gagne pour nous capables de bien entendre nous pendant l'étude semaine ça. Qui est-ce qui écrit l'évangile Marc là? Pour qui ça, l'évangile ça, il était écrit? Aucun des évangiles ne mentionne le nom de son auteur. Celui qui se rapproche le plus est Jean, en référence au disciple bien-aimé. Cependant, depuis une époque primitive, chaque évangile canonique est associé soit à un apôtre, soit avec un compagnon de un apôtre. Par exemple, l'évangile de Luc est associé avec Paul. L'évangile de Marc est associé avec Pierre. Bien que l'auteur de Marc n'a pas donné son nom dans le texte. La traduction de l'Église primitive indique que moun qui écrit l'Évangile selon Marc là, c'était Jean-Marc, qui c'était compagnon de voyage de Paul et Barnabas. On est capable de vérifier ça dans Acte 13, verset 2 à verset 5. Et plus tard, les pralvini ont associé de Pierre. Eh bien, semaine ça, première étape dans l'étude là, les pral permettent nous apprendre davantage sur Marc. Jean qui la Bible même lui parler de lui pour nous échec lui au commencement et comment sur le plan spirituel il pourrait finir par rétablir. Ensuite, étude là pourrait tourner vers la section introductive sur Marc avec un regard impatient de voir où se dirige l'histoire et un regard en arrière sur la raison pour laquelle un missionnaire raté puis restauré écrirait un tel texte. Et bien c'est ça que nous allons voir dans la semaine. Nous allons étudier maintenant. Libral focaliser sur personnage qui écrit livre là par colis parce que la Bible racontait eh bien échec que Marc il était fait au début et ministériel lorsque il était fait commencer lorsque il était fait démarrer nous va aller côté même apôtre Paul te qu'on reprocher et parce qu'il était gain des conduites eh bien non chrétien ou bien non si nous pas veut dire des conduites non chrétien yo moun qui était relâché, il était manqué et bien consistance, il était manqué persévérance dans le travail qu'il a fait. Et bien c'est ça que nous allons voir pendant ce maintenant. Nous allons voir comment un personnage et qui au commencement était qu'on a reproché lui et comment il va le faire rêver et bien écrit et bien un livre comme ça qui c'est l'évangile et bien et de Marc ou bien l'évangile selon Marc. Eh bien, moi encourage vous pendant ce maintenant pour capable faire effort pour capable ensemble avec nous pour qu'ensemble nous étudier premier sujet dans guide d'étude là pour trimestre là. Et thème ce maintenant c'est au commencement de l'évangile. Verset à mémoriser Marc chapitre 1 verset 14 à verset 15. Mais guide d'étude pour trimestre là, thème là c'est le livre de Marc. Avant nous aller, on nous prie. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que nous capables et fait plan durant tout trimestre jour après jour pour nous étudier parole ou et bien pour que nous capables marcher dans la fidélité ensemble avec vous. Nous pas bon et juste au bagage mérite comme ça nous prions au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà monsieur tout bonne étude, bonne journée, bonne semaine, bon trimestre et que Dieu vous bénisse.